Good morning, allez, Yidan, les choses aujourd'hui, les Lunishmat, Amram Ben Sulika, Shalom Ben Chabiba, Chaya Esther, Bat Miriam, Israq Perez Ben Fortuna, Chaya Michael Ben Sultana. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechat Shabbat, Perek Tetzain, Perek 16, Mishnah Gimel. Matselin Sal, Malek Ikarot, Ve Afalpi Sheeshbo, Me Aseudot, Ve Egol Shel Dvela, Ve Chavit Shel Yain, Omer Lacherim Bo, Ve Atsilu Lachem. ואם היו פיקחין עושים ממו חשבון אחר השבת, לאחד מצילין אותן לחצר המעורבת, בין בטר האומר אף לשנה מעורבת. On continue à parler dans nos Mishnayot de chez l'eau à l'énou, qu'on n'ait pas de choses pareilles, d'un incendie qui s'éclaire pendant Shabbat, des pertes que la Mishnah m'enseigne qu'il faut, il n'y a pas de permission d'éteindre le feu pendant Shabbat, s'il n'y a pas de risque de mort d'homme, même s'il risque de perdre des millions, et même si à cause de ça, il va être triste, et il va se disputer avec sa femme, il va finir par divorcer et partir. Là n'est pas le problème. Il n'y a plus de picouach nefesh sur le moment. Ce n'est pas un cas de picouach nefesh, il ne pourra plus pas sauver son argent. Malgré tout, il peut sauver le strict minimum. Alors, la Mishnah, les Mishnahot, du coup, nous apprennent quoi sauver. La première Mishnah Aleph, on avait appris les kitvei kodesh, tous les écrits. Ça, il ne faut pas les laisser brûler. Mishnah Bet, on avait dit que la nourriture, que tu peux sauver trois repas, et là la Mishnah commence à m'apporter une précision très importante. Matil sal malé kikarot. Aussi, tu as le droit d'acheter, de sauver un sal, un panier malé kikarot, plein de pain. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as dans un gros, tu as un très grand sac, une très grande armoire, où tu as, peut-être pas une armoire, il faudrait plus prendre un panier, où il y a dedans plein de pain, de quoi manger pendant 2 semaines, tu as le droit de les sauver. Quand je t'ai dit 3 repas, c'est que tu dois faire sortir 3 objets. Mais quand c'est un seul objet qui contient plein de choses dedans, tu as le droit de le prendre. D'un coup, on ne va pas commencer à te limiter, à te demander d'ouvrir le sac et de sortir juste 3. Tu prends, c'est dans un sac, tu prends le tout en même temps. Et selon le même principe maintenant, donc, même s'il y a dedans de quoi manger, même sans seoudot, il y a plein de pain, malgré tout, il y a le droit de sauver. De même aussi avec ve'igul sheldvela. Un rond, littéralement, un rond de figues. En fait, c'est des pains de figues. Des gros pains de figues, apparemment, c'était quelque chose de très important. D'ailleurs, on déduit qu'il fallait les couper avec une scie, quoi. C'est pas un petit pain de figues. J'imagine que c'était quelque chose comme les gros fromages, un peu à la française, à l'ancienne, qui faisaient des gros ronds, comme ça. Eh ben, il a le droit aussi. Tu veux manger ça pour ta Souda Shlishit? Même il a même le droit, s'il veut, de dire que moi je veux manger que pour la Souda Rishona et pour la Souda Shnia, je vais manger autre chose, et comme ça, il pourra sortir un gros pain de figue et puis un gros pain de fromage et encore autre chose, il pourra le faire aussi s'il veut. Mais un par repas, et du coup, puisque tu as une permission de le sortir, tu as le droit de le prendre entièrement. Et idem aussi pour Vechavit Yalain, un tonneau de vin entier. Il y a de quoi boire pendant, je sais pas, je crois que c'est une histoire de plus de 300 litres. Je veux boire maintenant du vin pour demain midi, ben tu sauves tout le tonneau. Et maintenant, la Mishnah continue en disant Ve Omer la Acherim, et il pourra même dire aux autres Bohu ve Hatsilu lachem. Venez et sauvez pour vous, pas sauvez pour moi. Il ne leur demande pas de venir pour lui. Pour prendre la. Même mieux que ça, l'Agma le précise, quelque chose d'important. Il a le droit aussi de décider qu'il va voir son voisin et il dit demain tu manges avec moi, d'accord? Sans faire de ruse. Demain, tu manges avec moi. Comme ça, il va sauver plus de nourriture. Mais là, la Mishnah ne m'apprend même mieux que ça. Bon, vas-y, il invite tous les voisins. Venez prendre ce que vous voulez, parce que de toute façon, tout va brûler, c'est dommage. Venez sauver. Ils ont le droit de sauver. Le Tifrat Israël, il nous rapporte ici. Bechem Aran, au nom du Mahari Tarani, qui dit que les autres, ils pourront même sauver plein s'ils veulent même. Parce que eux, ils sont plus limités. Moi, je suis limité quand je suis concerné parce que je risque d'éteindre le feu dans l'empressement. Mais mes voisins, ils n'ont pas le même empressement par rapport à ma maison. Bien sûr, on parle que. Il n'y a pas de risque que ça va se propager chez eux, sinon ils ont peut-être le même empressement. Imaginez qu'on ait des maisons individuelles, je peux inviter les autres voisins, ils pourront même prendre plus que 3 séoudotes, plus que 3 repas, ils pourront prendre plein de choses. Et la Mishnah continue en disant une phrase un petit peu originale, en me disant Veimayu pikrin aussi mimo cheshbon achar Shabbat. Et s'ils sont intelligents, ils pourront même faire avec lui les comptes après Shabbat. En deux mots, la Mishnah, elle me dit, tu sais, toi le voisin qui va partir aider. Toi qui vas partir aider ton voisin qui a eu son incendie, et tu vas vouloir l'aider, en fait, prendre plein de choses pour toi, tu pourras même, après Shabbat, récupérer un petit dividende sur ça. Et en fait, on explique un petit peu de quoi on parle. En réalité, tu as le droit de tout prendre si tu veux. Parce que, à partir du moment où il y a le feu qui se déclenche, il n'y a plus rien qui va rester, il ne peut rien sauver, c'est devenu comme Efker. Tu n'as plus de chobad, c'est perdu, c'est à vous deux. D'accord?
En théorie, tu as le droit de prendre tout. C'est comme du FKR, parce que lui, il ne peut pas sauver, de laisser son argent partir à la dérive. Donc du coup, si tu veux, tu peux partir, tu prends tout ce qui t'intéresse, toute la nourriture que tu veux, tu prends, tu vas aller manger pour toi. C'est si tu veux. Maintenant, si tu veux être gentil, tu prends tout, et tu lui redonnes tout après. Tu fais semblant de prendre pour toi, parce que lui, il n'a pas le droit de dire « aidez-moi à sauver pour moi », parce que lui, il est limité à 3 repas, et personne ne peut venir l'aider à prendre les 3 repas. Mais par contre, il peut demander aux autres de « prenez pour vous ». Prenez pour vous, prenez pour vous. Donc il vous invite à prendre, et vous prenez tout ce que vous voulez. Et après, vous, donc on a dit, vous pouvez tout garder pour vous, vous pouvez aussi tout lui rendre, sans réclamer aucun tachloum. Ça c'est si vous êtes chassid, la Gemara elle explique. Mais si vous êtes juste Yeresh Hamaim qui n'est pas chassid, c'est-à-dire vous voulez, vous êtes fatigué, en pleine nuit, il vous a massacré la nuit, à cause de ça vous allez avoir des pertes et tout ça, vous voulez quand même en prendre un petit salaire. Maintenant, Shabbat, on n'a pas le droit de prendre un salaire, en théorie. Mais il y a des moyens de contourner, en l'occurrence ici. Moi, maintenant, je suis parti travailler pendant 3 heures, à cause de ça, ça m'a massacré le début de semaine, j'avais la tête dans le coussin pendant dimanche, j'ai pas été productif. J'ai tout de suite évalué que c'était... Donc du coup, je vais lui réclamer une petite indemnisation de 400 shekels, le prix que je prends pour une matinée lorsque je fais quoi que ce soit. D'accord? Donc je lui ai demandé 400 shekels. Alors, parmi ce que j'ai sauvé, je lui dis, écoute, là, j'ai sauvé une valeur qui coûte 1000 shekels, moi, je te demande pas les 1000. Si tu veux, tu me couvres les 400 shekels, juste c'est la perte que j'ai. Ça, c'est pour celui qui est Yeresh Hamaim par Chassid. L'Agma explique sur ça, elle dit que Chassid, quelqu'un qui veut faire vraiment avec zèle et bien les choses, qu'il le fasse sans réclamer d'argent. Qu'il sache que ne commence pas à faire des comptes d'apothicaire avec le Shabbat. Shabbat, si on te dit de ne pas prendre d'argent, alors ne prends pas d'argent même si tu vas me réussir à me le faire de manière permise et en me disant que c'est l'argent qui vient pour ci et pour ça. T'inquiète pas. On t'a dit que quand, du coup, il y a dans cette gemarote là, dans cette apim là spécialement, on parle de l'importance, justement, de respecter le Shabbat, que plus on dépense pour le Shabbat, plus le Shabbat il nous rend. Il y a la fameuse histoire avec Yosef Mokir Shabbat, qui est rapporté dans tous ces apim, coup fieu de tête dans Shabbat. Et justement, la gemarote dit, donc, chassid, quelqu'un qui veut bien faire, qui commence pas à faire des petits comptes d'apothicaire en se disant, ah, je vais réussir à récupérer parce que j'ai une perte. Donne au Shabbat, prends tout, fais comme si tu prends tout pour toi, parce que pour l'aider à sauver. Après, rends tout aux voisins, n'aie pas peur. Hachem, il sait rendre les mérites à chacun. Et voilà, ça c'est pour la Mishnah, donc, que s'il veut, qu'il sache qu'il a une manière permise de récupérer malgré tout sa fatigue, parce qu'en réalité, il peut même tout prendre pour lui. C'est ce que la Mishnah lui m'enseigner, c'est ce que le partenaire il explique ici. Si vous lisez, vous traduirez, vous comprendrez. Et je continue. Les Han Matselin Otam. Où peut-on les sauver? C'est-à-dire, je t'ai dit que tu prends les choses et tu les sors. Où tu les sors? Attention, les chatser amorevet. Dans une cour, tu as le droit de porter. On a déjà expliqué le principe, on aura l'occasion maintenant d'arriver sur Hérovin, d'expliquer que moi, ma maison, c'est mon domaine privé. Les lieux en copropriété avec tous mes voisins, ça s'appelle des chatser. Je n'ai pas le droit de porter de ma maison à eux pendant Shabbat une cage d'escalier, par exemple. Une cage d'escalier qui est partagée entre plusieurs voisins, on n'a pas le droit de porter de la maison en dedans, sauf si on fait un hérouve. Alors la Mishnah me dit, tu as le droit de les porter dans le chatser amorevet, dans la cour qui est amorevet, que tu as fait la manière de procéder pour permettre de porter dedans. D'accord? C'est un principe qui consiste en fait à dire que tout devient une très grande propriété. On aura l'occasion d'expliquer ça longuement quand on arrive dans ma sacrée hérouvée. Donc tu as le droit de les sortir là-bas. Mais par contre, si tu n'as pas fait le hérouve, tu n'as pas le droit de les sortir même dans la cour qui est en copropriété. Juste dans ce qui est à toi, dans ton balcon, si tu veux, éventuellement. Mais tu n'auras pas le droit de le sortir chez le voisin. Ben Betera Omer, Ben Betera, il nous dit, non, Afléchena, mais au revêt, même dans une cour dans laquelle tu n'as pas fait le hérouve, par rapport à sauver la perte d'argent, ici, pour étant donné que ça concerne ta nourriture du Shabbat, alors tu auras le droit de le même, même si tu n'as pas fait le hérouve, tu auras le droit quand même de porter là-bas. Regardez que c'est un petit peu en parallèle avec ce qu'on avait dans la Mishnah Aleph. C'est-à-dire, là-bas, on parlait d'autre chose. Là-bas, on parlait de sauver les écrits saints. Et on avait dit, cette fois-ci, tu as le droit de sortir même dans une cour où tu n'as pas fait le hérouve, même d'après Chachamim. Mais il fallait quand même qu'une certaine permission, qui est un léchi, un poteau quand même, ça c'était pour Chachamim. Et Ben Betera, qui était le même Ben Betera ici, il nous dit, non, même s'il n'y a pas du tout de poteau d'aucun des deux côtés, maintenant, on monte un petit peu la barre, on te demande de faire plus, Chachamim te dit, cette fois-ci, je veux que ce soit un vrai hérouve. Et Ben Betera dit, non, même s'il n'y a pas du tout de hérouve, même si tu n'as pas fait le hérouve, tu pourras malgré tout transporter là-bas. D'accord? Faire sortir les choses là-bas. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.